Yo les gens, c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo en live consacrée à l'homme Super Mario Gomez en version informe. Il est disponible dans la 29e équipe de la semaine depuis, depuis une semaine maintenant, hein, parce que c'est vrai que je suis pas forcément à jour pour faire cette vidéo. J'ai attendu avant de vous la faire, mais la voici enfin. Donc du coup le Mario Gomez qui a une carte informe, il est passé à 84 de général, il y a comme une très très grosse stat en tir, et on va aller le tester dans cette équipe. Donc une petite No Link Wasted, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait d'équipe de ce style, c'est vrai, sur FIFA. Je me suis dit pour le coup, pourquoi pas faire une petite équipe originale, histoire de changer un petit peu. Donc après on a du Paul George Ntep, du Mac, du Dani, du Fernandez version Man of the Match, Renato Sanchez, Pepe, Mangala, Montoya version Inform, Asenro version Inform, donc grâce à mes récompenses Fit Champion, et Mario Rui, le défenseur gauche de la Roma. Donc sans plus tarder, on va lancer notre premier match. Je me suis laissé aussi le droit en réserve de mettre du Alaba et du Neymar qui peuvent servir de super sub dans cette vidéo. Bon, évidemment, ils rentreront pas à la place de Mario Gomez, mais si ça tourne mal, pourquoi pas faire entrer un de ces deux joueurs-là, voire même les deux, pendant les matchs, pour essayer de faire des petits comebacks. Une Barclay Première Ligue, tout ce qu'il y a de plus, Première Ligue, du Musa, du Sturridge, un milieu de terrain, Yaya Touré, Kanté, Martial, Willian, et la fameuse défense, Baïs Smalling. On l'a vu, l'appel de Montoya. Mac, Fernandez, ou... Putain, c'est naze. Non, non, c'est pas naze, c'est pas naze. Mario Gomez, il se retourne. Mario Gomez, Mario Go. Aïe, 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 c'est pas grave. On était pas loin de l'ouverture du score. Oh là là, Gomez. Gomez, la vitesse, la vitesse. La vitesse, c'est vrai que ça va pas forcément être là où va falloir essayer de le trouver, Gomez, dans la profondeur ou autre, parce que bah, c'est pas du tout son point fort, la vitesse. Mais sur des trucs en pivot, comme on a pu voir sur la toute première occasion... Là, il risque d'être intéressant. Par contre, Mac, je sais absolument pas ce qu'il a dans la tête. Mais il fait un petit peu des conneries depuis tout à l'heure. Il pète dans mes propres joueurs. Ok, bon. On encaisse d'entrée sur la première action de l'adversaire. N'Golo Kanté, comme d'hab, on connaît. Hein, c'est un finisseur hors pair dans FIFA. Va falloir réagir vite, là. Allez, Mario Gomez. C'est lui qui fait la diff. Petit enroulé, pleine lucarne, Mario Gomez. Donc comme j'ai dit, on va peut-être pas falloir le trouver dans la profondeur. Mais sur des trucs comme ça en pivot, ou genre il n'y a personne qui l'attaque, on va frapper parce qu'il a les stats. Par contre là, on a un coup franc plutôt bien placé. Est-ce que Gomez a des stats? 38 en précision de coup franc, mais 86 en puissance de frappe. Donc, on va quand même tenter. On va éviter la prochaine fois. Oh là là, c'est dommage. En plus, il n'y avait pas hors-jeu. Hein. J'aurais même pu contrôler. Je me suis précipité. Je pensais y avoir hors-jeu. Oui, Gomez. Oh là là, Mario Gomez. Alors, celui-là, il y a de la réussite. Mais c'est pas grave. Tant qu'il marque, c'est l'objectif, c'est qu'il marque des buts. Et même qu'il m'amène la victoire. Oh, c'est dommage. Parce qu'il y avait but encore. Coutinho. Comment il fait? Oh là 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 là, cette frappe terrible de Mario. Et Neymar qui la met pas. Oh, la défense, la belle défense. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Termine. Oh, le triplé de Mario. Et c'est un assassinat. Là, Petr Cech, il a le numéro 6, mais il peut pas l'arrêter, hein, je peux te le dire. Mario Gomez qui commence donc par un triplé d'entrée. On espère que ça va continuer pour la suite. Mais c'est vrai que déjà, quand tu fais une vidéo sur un joueur et que commence par un triplé, t'es super content. Là, je suis gaze, là. Encore une première ligue. Le même dispositif. Sturridge encore, Martial encore. Bailly, mais pas de Smalling. Il a mis Van Dijk à la place. Van Dijk, apparemment, il fait une saison de port. D'ailleurs, j'en profite. Apparemment, il fait une saison de port. Je vais pas passer la première ligue, mais il risque d'avoir une carte tot, ce qui va faire très très mal.
Oh Mario! Oh, le pied gauche dans la lucarne! Il frappe dans n'importe quel sens. En vrai, ça c'est super intéressant d'avoir un joueur qui peut frapper comme ça. C'est fou, franchement c'est fou. Regardez ça, bim, pied gauche. Contre-pied, lucarne. Les 4 étoiles, mauvais pied, illustré. Ah ouais, c'est limite. C'est une review. C'est une review. Yo les gens, c'est FatMat80HD. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Ta gueule! C'est un live, poteau! Peut-être une faute sur Mario Gomez. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? D'accord. Bon, bah, j'ai gagné. Mario Gomez, encore une fois, qui a marqué. Hein? Bon, bah, c'est n'importe quoi, ce qui se... Pourquoi il a quitté? Pourquoi il quitte? Mais au niveau des stats, il n'y avait pas de mec supérieur à l'autre. Enfin, j'avais peut-être plus la balle, mais bon, en 16 minutes, 1-0, c'est largement remontable. Not Guest 7, going to lose une équipe de France, sauf qu'il y a Smalling Show. Et il y a l'ailier droit qui vient tout juste de sortir. Il a une vraie, il a vraiment une belle carte en plus. Il a vraiment une belle carte. Ah, il y avait Carvajal aussi. Mais ouais, il a une carte sympathique, cet ailier droit là de qui vient tout juste de sortir. Je pense que c'est un ailier droit de FL Championship, si je dis pas de bêtises. Après, je sais pas combien il coûte, j'ai pas regardé. Mais il a les 4 étoiles gestes techniques. Il a une carte sympa. C'est vrai qu'en France, bon, à part. Bon, t'as Dembélé quand même maintenant. C'est quand même l'avantage qu'on a. Mais voilà, Dembélé qui devait avoir les 5, mais ils ont enlevé la mage. Donc bon. Y a pas pénal? Oh là là, il a réussi à l'envoyer la frappe. Il y a 3 mecs sur lui. Voilà, passe décisive de Mario Gomez. Quand il n'est pas buteur, il est passeur. Et c'est ce qu'on lui demande. Hein. C'est ce qu'on demande à un joueur offensif. C'est de participer à l'attaque, quel que soit son poste. Voilà, il est un petit peu plus en retrait. Là, il sait que bon, il est trop lent pour revenir dans le jeu. Et voilà, Mac qui termine. Ah non, c'est Dani, c'était même pas Mac. En vrai, le côté droit, là, les deux du Zénith, tu vois, ils sont là vraiment parce qu'il faut faire une Nolink Wasted pour le fun. Mais sinon. Oh Gomez, oh Gomez, tu finis. Oh, il la met pas! Non, il a pas le droit, mais déjà, pourquoi il frappe pas? Il met pas un plat du. Je veux dire qu'il a un pied gauche. Mais mets ton plat du pied droit, t'es en face à face, tu mets un externe pied gauche tout pété. Et ben encore un rage kit, bah putain. 1-0 à la mi-temps, le mec en plus il a des situations, mais il quitte, je comprends pas. Bah voilà, encore une victoire. On va être en finale du. De la compétition Fut Champion qualification. Voilà, pour vous montrer qu'on est bien en live et bien en direct. Voilà, au YouTuber. 3-1, 1-0, 1-0. Et là, on est en finale. On ne voit pas qu'on va gagner la finale alors que c'est absolument pas ce qui était prévu à la base. Ouh, une équipe full Portugal. C'est très rare de tomber sur ce genre d'équipe dans le jeu. Après, on va se méfier parce qu'en vrai. Le mec, tu sais, ça va rien dire à l'équipe. Ça se trouve, le gars, il est super chaud parce que là, normalement, il est en finale comme moi. Donc pour avoir fait un parcours avec une équipe comme la sienne, faut y aller. Donc ça se trouve, le mec est super fort, il va me laver. Y a pas pénalty, mais arrête! Oh là là, la passe décisive de Gomez. La passe décisive de... Oh putain, il la met pas ce coup. Pourquoi il frappe comme ça? Je voulais qu'il frappe croisé, il frappe sur le gardien, ce débile. Oh non, on était pas loin de marquer là. Ouf! Oh là là, la frappe terrible! Non, non, bien joué à Senro. Oh, oh non, c'est là-bas! Mais c'est pas possible! Mais putain, mais, oh, ça veut pas rentrer dans ce match! Oh là là, j'allais dire voilà, mais même pas, il fait trop d'arrêts son gardien là. Et voilà, lui il le met. Hein. Eh vas-y, c'est relou cette frappe buggée qui rentre tout le temps en double B de mes couilles là. Et voilà, on a perdu. On a perdu le match. Hein. À force de trop rater devant les cages.
tu te fais contrer et tu prends des buts. C'est tout simple. C'est simple un FIFA en vrai. C'est comme le foot hein, de toute façon. Mais ça fout le somme de ouf parce que voilà, j'ai toutes les plus grosses occasions du match. Voilà, c'est Gomez qui sauve quand même l'honneur. Bon, c'est con, mais... C'est con que le but, il arrive que à la 91e, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, c'est tout. Ok, Pépé. Bah, 3-1. Je suis explosé. Pépé, il a laissé le joueur passer normal. Bon, bah, défaite. De toute façon, je pense que, bah, on a fini... On est en finale, on perd en finale. L'objectif, c'était pas forcément d'aller aussi loin dans la compétition sur la vidéo. C'était juste de faire un petit truc autour de Mario Gomez, malheureusement, voilà, 3 tirs, 4 cadrés, il en met qu'un seul. Et il y a une barre. Donc c'est vrai que c'est... Ah, c'est dommage, franchement, c'est dommage quoi de perdre un match comme ça. Mais bon, si t'as kiffé cette vidéo, Mario Gomez a quand même fait le taf et c'est ce qui importe. Mario Gomez a fait le taf, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à lâcher un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous. Ciao.